En ce mercredi 9 du mois d'août est déjà le Kaf. Attendez juste un instant. Kaf Bet du mois de Av. Et c'est Mantov ou Bemazel Tov, Shatova, Mutzlechet, Be'ezrat, Hashem, Itbarach. Hashem, Atov, pour celui qui a acheté ce premier shiur de la journée, j'ai nommé Michael Ducamp Ayakar, Yom Uledet Sameach. Chacun de vous, Tanecha Kol, Michel Otipra, Lavodotot, Barach, Bakol, Mikol Kol. Achlama Meira, Refoua Shlema, tout ce que tu désires, une grande parnassa, l'Alia en Israël, Shlom Bait, Yeladim Batrom Zot Masim Tovim, Ve Arbe Osher Deshinim, Ra'anenim Iyu, Ve Ezrad Hashem Itbarach. Et en même temps, pour Refoua Shlema de ton papa, Shlomo Shmuel Ben Beracha, ainsi que le beau-frère Shimon Ben Shoshana, Yakadosh Baruch Hu bénisse mes parents, dit-il, et enfant, avec le sroute de monter en Israël cette année. Amen. Kabet Nitre Amo Israël, Bezrat Hashem, que toutes tes demandes soient écoutées par le ciel et accomplies sur terre. Yeshua Zonechamot Bezrat Hashem, pour tous les malades d'Israël, Moratimi Sarata Batifran Miriam, Yana Ben Esther, Chayro Chamester Batrifka, Bechen Joluxumo Ben Zira, Ufren Hashem Atov, Mir Ben Rutsufan, Sarah Bat Sassia et leurs enfants, Joel Miriam Bat Sara, Nancy Rachel Bat Silbet Gezala, Chaya Dvorah Bat Esther, Mazal Tovim Bat Alice Mishpahat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, il va falloir que je raccourcis un peu la liste parce que c'est vrai que c'est très long. Avraham, Ben Phoebe, donc je mets des noms, après je les enlève, faut me pardonner, mais je peux pas mettre tout le monde. Beaucoup de gens me demandent, sinon on passerait un cours à donner que des noms. Avraham, Ben Phoebe, Hashem Rechoto Bechol HaSholo, Eskeder Fouachlema, Vele Shalom Mishparto Be'ezrat Hashem pour lui et toute sa famille. Yaakov, Ben Shalom, une bonne parnassa aussi pour lui. Chaque jour, vous débloque votre mazal. Be'ezrat Hashem pour tous, un Zilou Gagoun. Tout ce que tu as, un beau bébé cette année. Un mariage pour toi, Fouachlema, Koutemim, Ratchamaim, t'es pas marié toi. Ça se voit, t'as pas une tête de mec marié. T'as l'air bien. Ou l'élève Elfav Dalim, Leilou Nishmat, Avraham Ben Fortuné, Sonia Vonne, Bat Suzan, Shoshana, Albet Kriev, Patricia, Albet Zeira, Fresh Ben Fortuné, Eliane, Sassia, Bat Echnina, Gisèle, Mazal, Bat Sipora, Bechol, Mete Israël, et bien entendu pour vous tous. Bezrat Hashem, Italie, Kadesh, Molahad, Ulme, Olamim. On n'est que de bonnes nouvelles. Alors le sujet que je vais prendre ce matin, c'est le sujet qu'on me demande depuis longtemps. C'est vrai que on dit toujours, les rabbanim, ils prennent toujours la défense des femmes, c'est toujours l'homme qui comprend la femme, c'est à l'homme de jouer le psychiatre de la femme, c'est toujours la femme qui a raison, elle est la pauvre. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a raison souvent, parce que ce qu'elle est lui donne raison. Les changements hormonaux, les responsabilités, elle travaille comme les hommes et elles ont les tâches ménagères. C'est vrai que quand on voit un petit peu la vie de la femme, et puis en plus de ça, le fonctionnement d'une femme, c'est pas le fonctionnement d'un homme. Nous, on est un peu d'embarred. Ça veut dire le nom famille de chaque mec, c'est un peu iceberg. Tandis que les femmes, c'est plutôt volcan. Elles sont volcaniques, elles ont toujours peur de manquer, de comment ça on peut pas faire les courses, quoi, je peux pas acheter, on part jamais en vacances. Elles sont toujours, alors que nous, les mecs, on dit bon, on part pas en vacances. On va le dire une fois, deux fois, et puis après, on passe à autre chose. C'est vrai. Parce que la constitution d'un homme est chochma, et la constitution d'une femme est rasra, bina. Ça veut dire que, quelque part, qu'est-ce qu'il a, celui-là? À manger des piments, quoi. Une femme, c'est rasera pour un mec. On en a souvent parlé. Donc, ce qui fait que les gens me disent, Rav Tuitou, vous ne pouvez pas faire un cours sur les hommes qui sont compris par les femmes. Surtout que les femmes sont devenues un peu masculines, hein, faut dire. Elles te répondent, il y en a même qui frappent. Hein. Elles font, dis-moi, chaque mot, tu vas me faire un commentaire ou quoi? Alors, on voudra un petit peu parler donc de l'obligation de la femme vis-à-vis du mari, ce qui donc va réjouir les maris. Mais sachez une chose, il n'y a rien de personnel dans ce que vous allez entendre, si ce n'est que les enseignements de la Torah. Donc celui qui n'est pas d'accord, t'auras pas. Perusha Davar, tu vas au Kotel et tu fais une manifestation, gilet jaune, pas content. En attendant, nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se passe, pour le plaisir des oreilles des hommes. Pour être content, les hommes. J'aime bien parce que ce genre de cours-là, il est très partagé par les hommes chez leurs femmes. Parce que chaque fois que je fais un cours sur le Shalom Bayit, alors il y a le public, il y a une mechitza, je ne fais pas les hommes et les femmes mélangés en général, et dès que je dis un truc sur les hommes, tu as les hommes qui regardent la femme comme ça, s'ils écoutent, et dès que tu as un truc pour la femme, tu as la femme qui regarde le mari qui lui dit « écoute ». Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut admettre une chose. Vous remarquerez que quand il y a un cours sur les Shalom Bayit, un truc incroyable, hein, tu as souvent le mec qui dit à sa femme « vas-y, c'est pour toi ça ». Lui, il ne compte pas du tout se remettre en question. Il va dire, c'est à toi d'arranger les choses. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la généralité, à part cas exceptionnels ou pathologie ou malade des nerfs, comme toute cette génération, il y a tellement de touma
tellement de touma, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Celui qui a un tout petit peu de flair, il y a tellement d'impureté, de une ambiance démoniaque qu'on respire toute la journée, qu'on est devenus tous extrêmement soucieux, extrêmement sensibles et surtout extrêmement nerveux. Et donc, tout s'effondre avec les nerfs. T'es constamment énervé avant même d'exister. Tu t'es levé le matin, t'es déjà énervé. Parce que l'air que tu respires, c'est l'air pourri de ton portable, de ce que t'as regardé la nuit, c'est les mauvaises nouvelles toute la journée, t'écoutes les informations, on est à la veille d'une guerre avec le Liban, avec la Syrie, c'est un truc de fou. Tout, rien ne va. Rien ne va. Et quand on voit cela aujourd'hui, comme c'est marqué à la fin des temps, c'est pas moi qui le dis, je suis pas négatif. La fin des temps nous dit, ça n'ira pas du tout. Pourquoi? C'est pour ça qu'on attendra la lumière, comme c'est marqué. Le Chachamim nous disent, quand est-ce que viendra la rédemption finale, la Géoula, quand on n'en pourra plus, c'est-à-dire, je m'explique clairement, quand l'humanité ne pourra plus rien arranger, alors vient le Mashiach. C'est à ce moment-là qu'il aura son rôle à jouer, parce que si c'est, il vient et on peut le faire, ben reste à ta place. On l'aurait fait avant. À Emmet, on peut le faire, mais on n'y croit pas. Chacun de nous sommes un Mashiach potentiel. C'est-à-dire, mais le Mashiach désigné, qu'on appelle le Mashiach Vadaï, l'évident, ça c'est lui. Et lui viendra faire ce que nous on ne peut pas faire. Il aura l'intelligence du roi Salomon. Il aura la Torah de Moshe Rabbeinu. Il aura à peine moins que la prophétie de Moshe Rabbeinu, de Moïse. À peine moins. C'est comme Mamash Lav Mitartav. Mais la reine, en l'occurrence, la situation dans laquelle on est très difficile. Très, très, très difficile. Parce que l'ambiance qui gère le monde est une ambiance colérique. Est une ambiance, je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe, mais pour rien aujourd'hui, les gens se battent pour une place de parking. Un mec sort, il prend un couteau, il tue une personne, père de 4 enfants. Parce qu'il lui a fait une queue de poisson, il rentre avec la voiture dans la voiture de l'autre. Mais attends, mais ta voiture, elle est toute neuve, elle est toute bien, pourquoi tu lui rentres dedans? Des vidéos qui circulent de partout. Les gens vont très mal. Le taux de suicide a doublé. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Il y a une folie. Il y a réellement une folie. On parle d'un complot de virus, on parle de choses internationales. Un truc de fou. Je fais des cours, il y a 10 ans en arrière, il y a des gugus qui prennent des demi-mots et les mettent sur tous les réseaux sociaux pour faire un mec anti-français... alors que j'aime beaucoup la France, que au contraire, j'arrête pas de relever la France sur bien des domaines. Mais ils prennent des mots, ils prennent des demi-mots, et t'as tous les gueux qui comprennent rien comme ça, qui regardent, t'as vu, regarde les rabbins, comment ils parlent de la France. Mais quel rapport? Quel rapport? Ils voient que c'est des montages, et ils tombent dans le piège. Les gens sont vraiment complètement abrutis, on peut leur vendre n'importe quoi. Ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui me racontait qu'il y a un gourou qui fait divorcer les gens, mais qu'il est marié. Il dit, alors toi tu divorces, et toi tu te maries avec l'autre. Mais qui est l'abruti, le gourou? Ou le mec qui écoute? Oui, non. Le gourou, il n'est pas abruti. Il est impie. Mais c'est l'abruti du village. Le mec, il vient, il dit, tu divorces. Il aime sa femme, il divorce. Et il lui dit, maintenant, tu l'aimerais avec l'autre. Il l'amène en plus, que tu veux, tu l'as. Il va être une heure la chandelle aussi pendant qu'on y est. Vous savez ce que ça démontre? La fibrilité de l'esprit. On est devenu complètement abruti. Mais pour je veux dire un truc, hein. Shimon, bien ce que je veux dire, tu vas pas me croire. Il y a un mec, on dit, regarde, prends 1000 euros, porte ses lunettes, parce qu'il a 50 millions d'abonnés, je sais pas combien, il a 5 millions d'abonnés. Attends, il vient comme ça, hors caméra. Qu'est-ce qu'elles sont moches? Bon, ok, m'en fous. Je veux mon cachet, paye-moi maintenant. Il paye. Ah, j'ai acheté des lunettes de folie. Et t'as tous les abrutis. Oh, elles sont belles, je vais les acheter. Il faut vraiment être vide dans la tête pour faire un truc pareil. C'est-à-dire, attends, toi, t'as pas d'idée, tu vois pas que c'est moche. On est complètement influençable. Complètement. Parce que notre esprit est tellement mélangé qu'on n'a pas notre esprit en nous. Et ça, ça influence énormément sur le cours que je vais faire avec vous maintenant, dans cette génération. Ce qui fait que quelque part, les merchaot, tous les exemples que nous allons prendre en traversant un peu l'histoire de notre peuple, ne correspondent pas à aujourd'hui. Donc malgré tout, ça va être un peu difficile de lancer ce chiour dans la correction et le respect de ce que vivent nos épouses aujourd'hui. Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Avant, il n'y avait pas de machine à laver. Aujourd'hui, il y en a. Il fallait aller jusqu'au lac, jusqu'à la rivière, au puits. C'était pas évident. Il fallait apporter des seaux. C'est vrai. Avant, il fallait chez la couturière pour avoir une robe. Aujourd'hui, tu peux l'acheter en quelques secondes, même la commander par Internet. Avant, les femmes ne conduisaient pas. Aujourd'hui, elles conduisent, même mieux que les hommes, dans certains cas. Il y a plus d'accidents chez les hommes que chez les femmes. Et vous savez pourquoi? C'est elles qui les provoquent. Non, ça, c'est autre chose. Mais la reine. C'est une blague. Mais la reine, quoique, dans l'instant T, la génération dans laquelle on vit, elle ne correspond pas, la Gemara dans sa même tête nous le dit, la fin des temps ne sera pas comme l'histoire. Ce qu'on vit aujourd'hui, jamais on l'aura vécu. Dans tous les domaines. L'effronterie sera au summum,
les coûts de la vie seront tellement élevés qu'il y aura de l'abondance, mais personne ne pourra le prendre. Regardez la Gemara, ce qu'elle dit il y a 1800 ans en arrière. C'est-à-dire que la Gemara nous parle des Ikvata des Meshicha, quand on arrivera vraiment au dévoilement de la Géoula, ce qui se passera dans la société humaine, à l'échelle universelle, jamais ça n'aura existé. Les gens qui vivaient dans l'immoralité avaient honte, mais vivaient leur immoralité cachée. Aujourd'hui, l'immoralité est devenue la moralité, et le moral est devenu l'immoralité. Le mensonge est devenu vérité, la vérité est devenue mensonge. Mais des trucs de fou. Il y a le changement de la civilisation qui se fait sous nos yeux, et personne ne se rend compte de rien. On vit des mensonges médiatiques toute la journée, où aujourd'hui, c'est les médias qui dirigent les pays. On vit dans un monde de fou. Donc c'est vrai que de demander à un poisson de nager droit dans une eau polluée, alors qu'il ne voit même pas où il va devant lui, et que ce poisson est un peu craintif de par sa nature, ce sera très difficile pour lui de relever le challenge d'être une superbe épouse. Chose qui serait vraiment très dure. Alors maintenant, on commence avec l'histoire de notre peuple, qui commence par la première femme juive, c'est-à-dire déclarée juive en tant qu'hébreu, c'est Sarah Imenu. Quand on voit Sarah Imenu aller à Shalom, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Metzia Nuntet que c'est grâce à elle, Ba'avour Sarah, qu'Avram est devenu ce qu'il est devenu. Ça veut dire que Sarah Imenu, du jour où elle a rencontré son oncle, Avram Avinu, et qu'elle s'est mariée avec, elle a été un soutien constant, jour comme nuit, à tout faire pour que il devienne le plus grand des prophètes, il devienne le premier père de la nation juive. Et la Torah nous dit « Shma bekol Sarah », c'est-à-dire « écoute la voix de ta femme parce qu'elle n'est là que pour toi ». Quand on voit Rivka, une question énorme qui nous tombe dessus. Rivka est enceinte, elle souffre. Il y a marqué dans la Torah « Vatelech Rivka lidrosh et Hashem ». Rashi dit « elle est partie chez Shem et Ever ». Rivka est enceinte et elle souffre. Quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, ça bouge dans tous les sens et ça se bat. Quand elle passe devant une synagogue, ça veut absolument y aller. Elle dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ok. Et elle va voir qui? Les deux rabbins de la grande génération, les maîtres d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, Shem et Ever, fils de Abraham et de Noach et petit-fils de Noach, Shem et Ever. Ok. Et ils lui disent « eh ben c'est pas compliqué, Shnegoim bebitner, tu as deux enfants en toi qui seront pères de deux grandes nations. » Voilà. Et Chazal tout de suite intervient comme Rabbi Yehuda Tzadka entre autres et beaucoup d'autres et disent « mais qu'est-ce que tu as besoin ? C'est comme si je vends de la viande, j'ai une boucherie magnifique et je vais acheter au bout du monde de la viande chez un autre boucher. » Mais va chez Yitzhak, tu es marié avec un prophète d'Israël, tu es marié avec un géant d'Israël. Pourquoi tu vas jusqu'à Tzfat, selon certains commentateurs c'est à Tzfat, pour poser une question à des rabbins alors que tu es avec le Gdolador ? Ok ? C'est comme si que j'ai chez moi le Rav Ovadia Yosef et je vais aller voir le Rav Ben Tzion Abba Shaoul, ou le Rav Oyerbach, ou le Rav Eliashiv pour poser une question. Mais t'as Rav Ovadia. Ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais tu as déjà quelqu'un. Elle dit, oui, mais je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, elle va pas me croire. Il dit, parce que si je dis à mon mari, Yitzhak, que je souffre énormément, il va s'inquiéter pour moi, il sera pas concentré dans son étude. Donc je préfère le lui cacher à lui, parce que les autres ne me connaissent pas. Un étranger, ça reste quand même un étranger, même s'il a de la compassion. Tu t'en vas, après une heure, c'est bon. Mais Yitzhak Avin, ou si je lui annonce que c'est ça que j'ai dans le ventre, et que j'en souffre énormément au point de pleurer, la malisa, sali, lokim, au point de dire pourquoi Dieu m'a fait cela, alors, Yitzhak, comment il va faire pour étudier la Torah? Je vais le déstabiliser. Il va avoir de la peine pour moi. J'ai un mari exceptionnel. Il va me soutenir, mais il va arrêter de la Torah pendant qu'il me soutient. Je ne vais pas le déranger. Waouh! Oufren, Rachel et Léa, on voit combien elles vont soutenir tout ce que te dira lokim. Tu le feras, lui disent à Yaakov, alors qu'elles ont été menées par une supercherie incroyable, vendues, comme elles le disent. Nimkar, nous avons été vendus par notre père. Il nous a déshérités, il nous a même pas considérés. Tout ce que tu diras à Hachem, tu le feras. 12 tribus sont nées. Oufren alza derer, on arrive en Égypte. La Gemara intervient et nous dit, Besrut nashim tzadkaniot yatsanu mitzrayim v'atidin Israël. Et c'est à la fin des temps. On a été libéré par quel mérite? Quel a été vraiment l'absus révélateur que la Torah nous apporte comme étant grâce aux femmes d'Israël? À un tel point que la halakha a fixé dans la tradition juive d'offrir un cadeau à sa femme, Pesach, Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Zechel Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport avec les femmes? C'est grâce à elles qu'on est sorti. Hein? Exactement. La Gemara nous dit, et qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Alors écoutez bien, on revient très brièvement en arrière, vous allez comprendre. Les femmes d'Israël travaillaient plus dur que les hommes en Égypte.
Vous savez, comme dit le Ben Ishraï, car Pharaon avait donné le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Donc, les femmes travaillaient comme des hommes et les hommes comme des femmes pour déstabiliser les mochines. Un homme, tu lui donnes un travail d'homme, il se retrouve dedans. Une femme, tu lui donnes un travail de femme, il se retrouve dedans. Pour déstabiliser les choses, eh bien, il avait fait le contraire. Psychologiquement, déjà, c'est un coup sur la tête. Le Ben Ishraï explique comment. Il dit, c'est simple. Les femmes, quand elles lèvent du poids, elles mettaient sur la tête parce que leur colonne vertébrale et leur boîte crânienne est beaucoup plus solide que celle de l'homme. Par contre, l'homme, il le met sur l'épaule. Qu'est-ce que faisait Pharaon? Il obligeait les hommes à mettre les poids, les paniers sur la tête et les femmes sur l'épaule, ce qui rend stérile, pour ne pas qu'ils se multiplient de qui plus est. Les femmes ne sont pas faites pour porter sur l'épaule. C'est pour ça que d'ailleurs en Afrique et partout, vous verrez que quand elles portent des poids, elles peuvent faire des kilomètres, ce que nous, on ne peut pas faire, parce que c'est sur la tête. En tout cas, c'est comme ça que dit Ben Ishraï. C'est-à-dire, après, chacun peut penser ce qu'il veut, je m'en fous. Ce n'est pas le problème. Mais le soir, alors qu'elles ont été fouettées, violentées, violées, la totale, ouais, elles allaient dans le Nil se laver. Elles essayaient de se mettre avec un peu de fraises pour se faire jolies, se maquiller. Elles allaient pêcher pendant que les hommes attendaient la mort comme le dernier espoir et la Géoula finale. À un tel point que 80% n'attendaient même plus la rédemption finale. Ils vont rester en Égypte et mourir en Égypte. Ouais. Elles allaient pêcher des poissons. Mais pour pêcher des poissons, il faut creuser parce qu'aller au Nil, c'est dangereux. Et qu'est-ce que faisaient avec ces poissons? Elles les nettoyaient, mettaient un peu de citron à l'intérieur, allumer le feu, les préparer dans des magnifiques feuilles de palme, comme ça. Et elles apportaient du poisson, parfumé de tout ce qu'elles pouvaient trouver, s'asseyaient près du mari, lui faisaient à manger, et avec tout l'aspect que je vous dois, leur faisaient l'amour. Et quand un homme fait l'amour à sa femme, qu'il ait mangé, qu'elle le regarde et qu'elle lui souriait, la femme lui disait, est-ce que tu peux tenir encore un jour? Tu peux tenir encore un jour? Le lendemain, ils repartaient avec le sourire. Ils attendaient Moshe Rabbeinu. C'est par ce mérite-là qu'Akadosh Baruch Hu a vu le travail des femmes. Combien elles prenaient sur elles pour sauver les enfants d'Israël? Les anges qui ont été créés par le mérite des femmes a dit à Dieu. Mais elles sont à bout. Et elles donnent quand même le sourire. C'est pas minastam qu'un homme dise à sa femme, You are the sunshine of my life. Tu es le soleil de ma vie. Cela vous apprendrait une chose essentielle. Un homme a besoin de sa femme. Un homme sans femme, vous connaissez la chanson. Ani, chetzi ben adam. D'accord ? Quoi ? Tu connais pas ? Ani, chetzi ben adam. Lecholechan. Donc, je ne suis qu'une moitié d'homme. C'est ce qu'on dit le jour de la choupa, puisque la troisième bénédiction, c'est Yotzer ha-adam, qui a formé l'homme. Donc avant ça, tu n'es pas un homme, tu es un mutant. Un homme sans femme, c'est un mutant. Hein ? Vous êtes tous des mutants. Ah. Velachen bisyata d'Ishmaïa. La femme a un rôle très important de nos jours, malgré le fait que nous respirions une ambiance très difficile. Alors vous savez, je vais vous dire ça en deux mots, comme ça on va gagner du temps. Une voiture ne peut pas rouler sans essence ou sans électricité, et une pompe à essence ne sert à rien s'il n'y a pas de voiture. La question c'est qui va aller vers qui? Je m'explique. Si tu veux que la voiture roule, la femme, qu'elle vienne jusqu'à toi, il faut lui mettre de l'essence. C'est-à-dire que si tu n'es pas à la hauteur à comprendre ton épouse, la soutenir, de l'aider dans ses tâches ménagères, d'être là pour elle, si tu n'es pas là, elle ne sera pas là non plus. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais tout simplement parce que, étant incomprise et n'ayant pas avec qui parler alors que mariée, se trouvant d'une certaine façon un peu isolée dans une prison dorée, eh bien, elle ne viendra pas vers toi. Ce qui fait que l'homme, malgré tout, il a une part de responsabilité imposante et importante. Si tu veux que ta femme soit ce que tu attends d'elle, donne-lui l'exemple. C'est vrai? Ta femme rentre. Chérie, ma chlomère, oh, il fait chaud, je t'apporte un verre d'eau. Aie un peu de compassion, sois présent. Ne crie pas. Parce que vous verrez que on parle souvent de Gmilut Hasadim, comme dans la paracha de Ré'é, la Tzedaka. N'oublie pas d'ouvrir ta main pour l'autre. Mais ce qu'oublient un petit peu nos épouses aujourd'hui, avec la pression des enfants, la pression financière, les problèmes de santé, les problèmes familiaux ou d'éducation,
ou de manque d'amour, de considération, voire même de dialogue, eh bien, les femmes ne sont pas forcément à la hauteur dans leur accueil et dans les départs. Chazal, ils disent, comme je l'ai marqué d'ailleurs dans un de mes proverbes, ne te fâche, non, ne laisse jamais partir une personne avec qui tu es fâché, car tu n'as aucune garantie de la revoir demain. Vous voyez, une famille là qui est partie, lo alinu velo alechem, pendant cette période, une famille charidite, dans le nord d'Israël, il y a eu un accident, le mari est mort. 9 enfants. Jamais la maman ou les enfants auraient imaginé que cet homme de 54 ans parte parce qu'il a fait une chute et il est tombé sur la tête. Personne. Vous imaginez ce que ça peut représenter dans l'esprit d'une personne qui est correcte dans sa tête, je ne parle pas d'une ordure, je parle d'une personne normale, de dire à son mari, écoute, je ne te supporte pas, allez, dégage, va crever. Et il ferme la porte et on lui annonce 6 heures plus tard qu'il est mort dans un accident de voiture. La dernière parole que tu lui auras dite, c'est va crever. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ce qui fait que les femmes, elles ont un rôle très important à jouer. Et vous allez me dire, oui, mais attendez, vous avez parlé de l'essence. Il faut bien que le mari aussi fasse quelque chose. Non. Réponse, non. Oui, mais non. Alors oui ou non ? Réponse, si vous avez... Non, c'est pas une question d'intérêt. La femme, elle en a vraiment besoin. Une femme, dis-moi. La femme, déjà, tu sais à quoi se comparent les femmes, moi ? Je veux faire un cours sur les hommes, mais tu me fous devant les femmes. Tu connais les galères ? Elles avancent sur l'océan. Qui fait avancer ? Les esclaves qui sont en dessous. Les rameurs qui prennent des coups de fouet. Et avant, et dessus, il y a qui ? T'as le capitaine avec le chapeau, melon et bottes de cuir, avec la plume. C'est un peu le travail des femmes. Les femmes, elles sont toujours cachées, mais celles qui font avancer le monde. Les hommes sont sur le pont. Et c'est nous qui prenons tout le temps tous les compliments. C'est pour ça que Rabbi Akiva, quand il arrive avec ses élèves, il dit « Hey, Shelif Shelachem, Shelahi, c'est aujourd'hui, j'ai avancé si haut dans ma vie, c'est grâce à elle. » D'où la gratitude de la femme. Donc oui, elles ont cela. Mais est-ce qu'une femme serait quitte malgré tout de cela ? Non. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué « Si ton mari te donne, alors tu lui donneras. » Et ça, malheureusement, c'est le poison qu'on vit de nos jours. « Ah ouais, c'est comme ça que tu me parles ? Tu rentres le soir ? On mange pas ce soir ? » En plus, tu veux que je te fasse à manger ? T'as dit que je n'avais pas cuisiné ? Je suis une bonne à rien. Comme ça, tu parles avec tes copains de moi ? Est-ce qu'elle a le droit de le faire ? Parlons Torah. Je ne parle pas de psychologie qui a tort ou raison. Laisse tomber. Parlons selon la Torah. Non. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Tu fais pas Shabbat, tu meurs. Donc, normalement, le lendemain, si tu n'as pas fait Shabbat, tu crèves de faim. Dieu ne t'envoie pas de parnassa, la maladie, le typhus, la méningite. Ouais. Et pourtant, il te donne la santé, il te donne. Dieu ne te donne pas selon tes mérites. Il te donne parce qu'il t'aime. Et quand on aime, on compte pas. Dieu te donne parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis de toi. Il t'a créé, t'es sa créature. Ainsi donc, la Torah vient nous apprendre, comporte-toi comme Dieu. C'est pas parce que tu ne mérites pas ou que tu mérites que je te fais à manger. C'est pas parce que tu mérites ou mérites pas quand tu rentres que je me lève pour t'accueillir avec un sourire. Je pose une question, vous êtes nombreux au niveau des mecs. De toute façon, il n'y a que des mecs là, ok ? Comment vous réagiriez si chaque fois que vous rentrez à la maison, votre femme se lève pour vous accueillir avec un sourire ? Avec « Shalom, chérie, bonjour ». Ce sera ordinaire. Tu kifferais ou pas ? T'as vécu ça ? Non. T'as vécu ça ? À l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'époque ? Je ne suis pas Mireille Dumas comme ça, raconter ta vie. À l'époque, il fait comme ça. Il faut que je te parle. Tous les jours. Tu kiffes ? Baruch HaShem. Et toi ? Pareil ? Quand tu rentres, ta femme fait un sourire ? Elle vient t'accueillir ? Echet Raïl, Mimsa, voyez, le Moshe, à Ashdod. Bon, je sais, ceux qui sont près de nous, ils ont des femmes magnifiques. Elles n'avaient pas de kissou, ils mettent le kissou, ils avaient des pantalons, ils mettent les jupes. Baruch HaShem. Batman, hein? Ouais. Si on n'a pas reçu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas donné. C'est ce qu'on a dit quand tu dormais. Et la reine, Bissiata d'Ishmaïa, tu répètes ce que j'ai dit tout à l'heure. On dit parce qu'on n'a pas donné. Il faut donner l'exemple à l'autre. Mais les Chachamim, dans la Torah, ils nous disent que c'est pas parce que tu n'as pas reçu que tu es quitte de donner. Parce qu'il y a un luxe que chacun de nous devons tous acheter aujourd'hui, c'est le fait de dire à l'autre, une arme fatidique, extraordinaire, j'irais presque une bombe atomique. Quand une femme, de son côté, tient sa maison, elle essaie de parler avec son mari. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de maris ingrats aussi. C'est vrai. Les gens voient souvent tout comme étant un dû quand ils reçoivent et comme il faut mériter quand ils donnent. Avec un manque d'honnêteté terrible, terrible, qui ne trompe pas sa femme aujourd'hui, qui parle pas mal derrière le dos de sa femme aujourd'hui, et pareil d'autre côté, hein.
On entend des choses toute la journée qui sont vraiment fracassantes. Aval, il y a une chose de sûre. Quand une femme, Baruch Hashem, considère son mari, comme je le dis dans mes proverbes, si tu fais de ta femme une serpillière ou tu fais de ton mari une serpillière, ne t'étends pas d'être le seau dans lequel elle se... Non. Essora. Ce que je t'avais écrit, Nachon. C'est-à-dire que si pour toi, ton mari, c'est une serpillière, alors toi, t'es le seau. Seau, c'est un jeu de mots. Hein. Tu peux l'écrire seau, idiot, seau, un seau. Ben, n'oublie pas que t'es marié avec. En d'autres termes, vous, les Bnot Israël, ayez toujours cette force extraordinaire qui apportera la Géoula. Une fin à nos souffrances, réellement, une lumière de notre obscurité, c'est d'être à la hauteur. Votre mari, il rentre. Pas tu lui donnes le gosse dès qu'il rentre. J'en peux plus, tu es toujours en retard. Oh, calme, calme. Baruch Hashem, d'abord il est rentré tôt. Dalaël, d'abord il est rentré tôt, Dalaël. Sourire. Proposez-lui à boire. Asseyez-vous et après vous lui dites, est-ce que tu peux m'aider? Deuxième plan, alors je vous explique. Mesdames et messieurs, en cette sainte journée de mercredi, 9 du mois de août, où demain je dois payer 30 avrechim ici et 54 à Jérusalem, ceux qui peuvent nous aider, vous aurez la bénédiction du Seigneur. Bémet, Toda Rabba pour ceux qui peuvent aider. J'aimerais juste vous dire une chose. Mesdames, votre constitution d'âme est différente de la nôtre. Vous êtes cérébrale, nous sommes animales. C'est-à-dire que nous avons des attirances physiques différentes de vous. C'est bien. Un homme voit une femme bien foutue, il devient une chèvre. Bah, il est perdu. C'est bien. D'où l'importance de la Torah, ne regarde pas, de peur que tu tombes. Le cœur désire et les yeux suivent. C'est bien. Les gens vont faire des kilomètres, dit la Gemara, jusqu'en Égypte parce qu'il y a une belle femme. C'est bien. Les gens vont aller jusqu'à la plage, comme ça. Ils sont crevés, les yeux comme ça, encore une. Toute la journée, les hommes ont un esprit différent des femmes. Ce qui fait que quand on est marié, sur 9 milliards d'humains sur Terre, la seule personne au monde qui t'est permise, c'est ta femme. C'est la seule. C'est-à-dire que si boutique est fermée, tu crèves de faim. C'est pas compliqué, tu crèves de faim. Alors, mesdames, hormis l'accueil, je vous explique. Déjà que nous, les feuges, vous avez 2 semaines de Nida. C'est-à-dire, Nida, ça veut dire en anglais « don't touch ». Don't touch. C'est pas boutique fermée. C'est boutique hypothéquée. D'accord? Sous contrôle banquier. Je parle de Kadosh Baruch Hu. Assourd de toucher la femme. Donc pendant 2 semaines déjà, le mec. Chaussée au moine. C'est-à-dire. Ensuite. Je suis fatigué. J'ai pas envie. J'aime bien, tout le monde me regarde et me fait comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. On se calme. OK? Tu m'as vexé, il y a du monde, j'ai pas de libido, j'ai pas de l'abadie, j'ai pas de l'empathie, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. T'as vu comment tu me parles? Mamie, il va devenir ouf le mec. Il a des besoins. L'homme a des besoins. C'est marqué dans la Gemara. Comme a dit Rabbi Chia, qui avait une femme qui était dure, comment tu peux lui offrir des cadeaux à une femme qui est si irrespectueuse avec toi? Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Chia? Vous pouvez dire ce que vous voulez de ma femme, mais en tout cas, elle a toujours été là pour me sauver de la faute. Ça veut dire que quand j'avais besoin d'elle, libido, pas libido, envie ou pas envie, elle ne m'a jamais laissé fauter. Ni par production nocturne, ça sort tout seul, ou pire encore, aller voir ailleurs. Il y a même des femmes aujourd'hui dans les couples qui disent, écoute, tu me saoules avec ça, va voir ailleurs. Comment ta bouche, elle peut dire une chose pareille? Moi, une femme qui dit ça pour moi, elle mérite de perdre son mari. Elle mérite que Ibamash, il aille voir ailleurs. Bémet, comment tu peux ouvrir ta bouche de ce côté-là? Il faut vraiment ne pas aimer son mari pour dire « Va voir ailleurs ». Ça veut dire quoi? T'as pas de problème? Erev Charles Omar Dabarkazé. Arrêt, il y a marqué « Arrêt, at mekoudeshet lib et tabat ». Tu m'es sanctifié à moi. Comment tu peux dire « Va voir ailleurs »? Ouais, je m'en fous, va voir ailleurs. Fais ce que tu veux. Alors bien sûr, ça vient d'un désespoir, ça vient d'un ras-le-bol, les femmes sont pas folles. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. « Velachen bezrat Hashem ». C'est tout simplement, comme le dit Rabbi Chia, Chia qui veut dire aussi la vie. Rabbi Chia, il dit, « Dai, shematzilanu minachet. » Rien que parce qu'elles sont là pour nous, physiquement, alors que c'est très dur pour une femme. Il faut le reconnaître, pour une femme, l'histoire du lit, c'est pas comme pour un homme. C'est très dur pour elle. Mais tu es la seule au monde qui m'est permise. Alors moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Si tu me dis, c'est ton problème, Alpidine, vous savez ce qui se passe Alpidine?
je peux aller au Bedin, selon la halakha, et dire Ani chayev legaresh ota. Vous savez ça? Pourquoi? De peur qu'il faute. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les heures, c'est pas tous les jours. Aval. Yevchar, on ne peut pas fermer la porte, le mec va devenir curé à la fin. Il devient fou. C'est vrai que ça joue sur le système hormonal. Tout comme une femme ne peut pas se sentir vide quand elle n'est pas aimée par son mari, quand elle ne se sent pas considérée par lui. Un homme, il a besoin de considération, il a besoin d'actes. Il a besoin de cela. Il n'a pas besoin de libido dans l'absolu. Il est déjà né libido, lui. À la base, les hommes. Comment tu t'appelles? Libido, toute la journée. Mofeni chroni. La reine Bezrat Hashem. Si dans cette génération, on veut améliorer tout cela et qu'on veut aider nos maris, je parle vraiment au Bnot Israël, alors faites-vous belle pour quand ils rentrent à la maison. Arrangez-vous. Ah ben, dans, ah ben plus que ça encore. Alors non seulement on galère, ils ont rien à faire de nous, ils nous parlent comme des moins que rien, en plus on doit se faire belle. C'est ce que j'entends déjà à travers les réseaux sociaux. Non, la Torah ne pense pas comme ça. La Torah elle te dit, tu as raison, tu as raison. Ton mari n'est pas bécédère, ton mari n'est pas bien. Ce qu'il fait, c'est pas bien. Il est égoïste, égocentrique. Je ne parle pas des PN, c'est des cas à part. Je parle des gens normaux. Vous avez raison. Mais il y a une chose de sûre, c'est que vis-à-vis d'Hachem, vous avez fait ce que vous deviez faire. La Gdoucha et la grandeur, Sarah, mais nous jamais, elle a dit, Avraham, comme tu as fait, je te donne. Comme tu m'as donné, je te donne. La grandeur d'une Bat Israël, comme elle le fait pour ses enfants, qu'elle soit crevée ou pas, elle va les chercher à la maternelle, qu'elle soit crevée ou pas, elle leur fait à manger, qu'elle soit crevée ou pas, elle les habille, qu'elle soit crevée ou pas, elle est là pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle les aime et elle sait très bien que de toute façon, l'enfant restera ingrat toute sa vie. Sachez-le, à part maman, je t'aime, ils ne donnent pas grand-chose. Et le jour où ils peuvent donner, c'est pour le donner à une nouvelle fille qui vient d'arriver parce qu'ils ont déjà 20 ans et vont se marier. Donc quelque part, tu as donné toute ta vie et encore, attends pas que ta belle-fille, elle te prenne ton mec pour plus jamais le revoir. On entend beaucoup de cas comme ça aussi aujourd'hui où les parents ne voient plus leurs enfants. C'est un truc de fou. Je ne parle pas de parents toxiques, une fois de plus. Parce qu'à chaque fois, il y a des cas, Rav Tutu, vous ne savez pas ce qui se passe avec mes parents. Les parents toxiques, allez voir un possèque, allez voir un Rav. J'ai eu plusieurs cas ici de parents toxiques, malheureusement. Dans ce cas-là, la halakha dit qu'il faut s'éloigner parce qu'on ne peut pas manquer de respect, même s'ils sont toxiques. Donc, prends du large. Mais ne manque pas de respect. Comme c'est marqué avec Rav Yosef, qui avait une mère toxique, et partout voir le Rav, il a dit quitte le pays, carrément. Pour ne pas lui manquer de respect. Le problème, c'est que sa mère l'a suivi là où il était. Il est parti voir Rabbi Yochanan et il a fait ce qu'il fallait faire. Bikitsur Velaïnyan, sachez, mesdames, que Behemet, la grandeur, je finis vraiment avec cette situation qui est tellement, tellement importante. Depuis que les femmes parlent comme les hommes, c'est-à-dire bêtement, avec vulgarité, je lève la voix, et je crie, et je m'énerve, et la bave qui sort, ça n'amène qu'à des divorces et des catastrophes. Où les hommes deviennent des proies très faciles pour une fille qui va utiliser sa féminité pour vous le prendre. Et vous allez me dire, mais attendez, elle n'a pas ce que moi j'ai. J'en peux plus, je suis en dépression, je suis à bout. T'as raison, tu as raison. Ton mari n'est pas bécédaire. Mais ça ne te donne pas le droit de toi aussi ne pas être bécédaire. C'est ça qu'il faut juste un peu réaliser. Juste un tout petit peu réaliser. Parce qu'il n'y a pas plus fort au monde qu'une femme. Quand une femme parle doucement, Marie va crier. Excuse-moi chérie, mais pourquoi tu me cries dessus? T'aimerais que moi aussi je crie? Tu sais que je peux crier plus fort que toi. Tu m'insultes, tu me cries, laisse tomber. Si c'est pour descendre à ce niveau-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Avec un plat le soir, tu parles à son cœur, s'il en a encore un dans la poitrine, parce qu'il y a des mecs aujourd'hui, ils n'ont même plus de cœur. Et aussi des femmes, hein, faut pas se leurrer. Aval, je sais une chose, moi, d'expérience et d'études dans la Torah, c'est que toutes les femmes qui sont restées féminines ont fini par mettre leur mari dans la poche. On le voyait avec nos grands-mères. Je me rappelle quand on était jeunes, nos parents étaient durs. Les parents tunisiens, marocains, ils sont jusqu'à aujourd'hui, ils sont... Voilà, c'était ma couac. Parlez. Ouais. Et t'avais toujours les mamans qui faisaient comme ça. C'est bon, je vais. Chérie, voilà, je te fais un couscous avec un peu de piment. Ah, mais ce que, ouais, tu veux pas comme ça. C'est pas grave, regarde le pauvre. Bon, allez, viens. Pourquoi? Parce qu'elles savaient parler au mari. Elles étaient restées féminines, ce qui fait que l'homme se retrouve à sa place d'homme. Mais aujourd'hui, les femmes reprochent à leur mari en leur disant, mais je suis pas ta mère. Mais personne t'a demandé de prendre ce rôle. Arrête de me dire, au contraire, ce que j'ai à faire. Parle plutôt à mon cœur avec respect. Parce que sans respect, je ne saurais jamais où est ma place d'homme dans mon couple. Lachem Bezrat Hashem, je vous conseille juste d'opter pour cette option. On est à 50% de divorce. Et les couples qui sont mariés ne sont pas forcément heureux. Et Lachem, même si l'autre n'arrive pas à être un exemple et que la pompe à essence n'arrive pas jusqu'à toi, alors pousse ta voiture pour y arriver et pour redonner vie et à celui qui existe pour toi et à celui qui doit t'amener là où tu dois être construit. Mishé Zaha, celui qui a le mérite, la Gemara nous dit, comme c'est marqué dans la Torah, Isha Ezer Kenegdo.
Elle est là, la femme, pour t'aider à te construire. Et si avec tout ça, et tous les efforts prodigués, ça mène à rien, ça te donnera raison, et sur terre, et vis-à-vis d'Hachem. Achen, Bezrat Hachem, Tzkinum Zot, Masim Tovim. Moi, je vous conseille de vraiment partager ce shiur, vraiment, partager ce shiur, Bezrat Hachem. Et contrairement à cette vidéo qu'on n'arrête pas de faire circuler, une vidéo d'il y a 10 ans en arrière, qui a des montages qui ont été faits sur ce que je dis, sachez que j'aime énormément la France, que je trouve un des plus beaux pays. J'ai simplement expliqué qu'effectivement, il y avait une hypocrisie vis-à-vis de la France qu'on a vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale et avec l'histoire Halimi, que je trouve absolument abjecte, et beaucoup d'autres choses sur lesquelles ben, Chirac lui-même avait fait ses excuses aux Juifs de France, disant qu'effectivement, on avait volé les appartements. Donc, il faudrait aussi critiquer Chirac, qui était le président de la France. Ce que je rapporte, ce n'est pas une critique sur la France. Et nous, les Juifs, grâce à Dieu, on brûle ni les voitures, ni on casse des boutiques, on fait absolument rien de mal, si ce n'est que des fois, relever des points qui ont été eux-mêmes relevés par des dirigeants français. Voilà, juste pour mettre un petit peu les pendules à leur place. Demain, c'est le 10. Il y en a qui peuvent donner du maaser ou nous aider. Bezrat Hashem, on a beaucoup de familles qui tapent à la porte. Eh bien, Toda Rabba. Et ceux qui ne peuvent pas, un sourire suffira amplement. Kol Tov, Beleitrot. Yom Uledet Sameach Tzadik.